Bonjour à tous, petits et grands lecteurs. Nous sommes ravis, avec Kiki, de vous retrouver ce soir pour une nouvelle histoire. Allez, on s'installe. Alors, ce soir, nous avons décidé de vous raconter l'histoire de « Je veux grandir ». Écrit par Tony Ross. Folio, Benjamin. Tony Ross, « Je veux grandir ». Gallimard. Il est temps que je grandisse, pense la petite princesse. Mais comment faire? Peut-être faut-il que je sois différente. Comment donc être différente? Non, je ne crois pas que cela soit une bonne idée. Je ferais mieux de demander à ma maman. Maman, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. « Sois gentille, » répond sa maman, « comme ton papa. » « Papa, comment faut-il que je sois ?» demanda la petite princesse. « Sois affectueuse, » répondit son papa, « comme ta maman. » « Dis, comment faut-il que je sois ?» demanda la petite princesse. « Sois propre, » répondit le cuisinier. « J'ai tout cela à retenir. » soupira la petite princesse. « Je dois être gentille, je dois être affectueuse et propre. » Que je sois ? Demanda la petite princesse. Sois courageuse, répondit le général. Courageuse, pense la petite princesse. Ah oui, j'ai compris. Je dois les enlever, les araignées du fond de la baignoire, toute seule. Dis, comment faut-il que je sois ? Demanda la petite princesse. « Sois-tu une bonne nageuse ?» répondit l'amiral. « Ainsi, tu seras saine et sauve si ton bateau coule. » Dis, comment faut-il que je sois ? Demanda la petite princesse. « Sois intelligente, » répondit le premier ministre. « Et en bonne santé, » dit le docteur. « Oh là là !» s'écria la petite princesse. « Je dois être gentille, affectueuse et propre. » Courageuse, bonne nageuse, intelligente et en bonne santé. Oh, mais je n'ai même pas assez de doigts pour compter tout cela. Décidément, c'est bien difficile de grandir. Dis, comment faut-il que je sois ? Demanda la petite princesse. Je ne sais pas du tout, répondit la femme de chambre.
Écoute, la question la plus importante, c'est toi. Toi, comment tu veux être, toi? Dit la princesse. Mais tu es grande, dit le petit prince. Fin. Voilà, cher lecteur. J'espère que ça vous a plu, comme à toi, Kiki. À demain pour une nouvelle histoire. On vous embrasse.